Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ha ha, et bienvenue, bienvenue. Là, c'est la concentration absolue. Oh là 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 là. L'efficacité! L'efficacité! Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ghost of Jmushitsu avec Sakai Jin, le maître dans l'art des vêtements et du slip. Parfait. Excusez-moi, j'ai appris une nouvelle musique. Attends, une nouvelle musique à la flûte. Ben, c'était tout petit, mais ça s'appelle la musique de la tempête. Apparemment, ça permet de faire un ciel, un ciel d'éclairs sans qu'il pleuve. Juste un ciel d'éclairs en fait, et c'est ultra stylé. Je sens que je vais m'en servir pour des... Je vais m'en servir de manière kino. Vous êtes prévenus, hein, brave Jean. Dans les accessoires, cependant, laissez-moi voir la caresse du soleil. Allons-y. Reviens, reviens. Voilà, fait beau. Voilà, fait beau. C'est plus pratique quand il fait beau. Ok. Dans l'épisode d'aujourd'hui, donc du coup, nous allons faire de la quête principale, éventuellement aller voir de quoi ça retourne, parce que c'est juste à côté et ça m'interroge, et je m'en excuse. Et continuer la quête principale avec la forge de Komatsu et Taka, qui normalement nous aurait dû nous crafter des choses. Putain, je peux pas passer par la fenêtre, chier. Bob, le toit! Ah oui, le toit, c'est vrai! C'est vrai que sur le toit, il y avait des provisions, je m'excuse. Je m'excuse, Jean-Paul. On peut y retourner rapidement. Décidément, hein. Les allers-retours, la vie. C'est les open world. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Et du coup, comment j'y monte sur ce toit, là, con? C'est une bonne question, en vérité. Bonne question auquel j'ai pas la réponse. Ah ah! Ressources qui brillent sur le toit. Ah ah! Le petit sac de sandwich! Oh les sneakers! Oh les Mars! Voilà. C'est bon? Et là, comme dans Assassin's Creed, le suicide. Oui, voilà. Très bien. Oh! Oh! Ah, toutes ces ressources là-haut. Nio! Ouais, c'est bon, c'est passé. Ça va un peu loin! Voilà. Excellent. Très bien. Un terrier de renard. Vous avez atteint le lieu suivi. Eh ben, je te suis. Je te suis, petit galopin. Alors, je te suis. Allez, vas-y. Roule. Quand même. Allez, d'accord. Je te suis. Jusqu'à un petit temple au Mamori. Histoire qu'on récupère un charme. C'est toujours ça de prix. Il a fait un virage. Me dis pas que tu m'as fait monter puis descendre. Pour rien. Mais si. Quel enculé ce renard. Ton temple, putain. Mais c'est pas possible d'être un écureuil pareil. Ah. Il est parti. Non, il est pas parti. Oh, ça c'est ma joie et mon plaisir. Oh ben oui. Oh ben oui. Oh oui. Ben oui. Bon. Hop.
Parfait. Appelons le cheval. Et il faut qu'on aille à la forge. Le crochet de fer directement. Et on m'a dit que sur le toit de la forge, apparemment, il y a quelque chose à récupérer. Donc on va faire ça. Allez, ya! Oh! Ah, attends. Oh! 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 Non. Oh! Non. Oh! 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 Ah! Oh le beau! Le bandeau du maître forgeron! Fais voir un peu. Si c'est de la merde, ça va mal se passer. Hein. Ça va! Il est fashion avec ce que je porte. J'accepte. J'accepte. Mais uniquement parce qu'il est fashion. Oh, toutes les ressources! Oh là 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 là! La réserve! Miam! Miam, 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 miam. Bon, les ressources sur le toit, bah, bon, on s'en bat les couilles. J'en trouverai d'autres, ça va bien se passer. Oh! Oh! Ah là, c'est bon. Nyo! Ok. Mesdames, mesdemoiselles, je suis de retour et je suis coloré pour un fantôme. Ça déconne zéro. お礼の話を広めておるな。聞きたいことばを言ってやるのさ。噂は広まってるよ、クロードの。お主が言い始めたデタラメではないか。クロードの力を信じてみんな村に残ってんだ。武士の力ではないのだな。武士とクロードさ。 おじゅうえが自由になれば、みんなおとぎ話から目を覚ますぞ。どうかな。タカは仕事に精を出してるよ。あんたのために必死だ。様子を見に行くとするか。 Tain, mais Yuna, plus on passe de temps avec, plus j'espère que Jin, il va passer sous le Kotatsu avec. Hein. Même si c'est un seigneur et que c'est une pégue. Mais bon, bien évidemment, l'honneur lui permettrait pas de faire ça, ce serait agir comme un mongol. Quoique un mongol, c'est pas ce que c'est un kotatsu, donc... Shimura-sama o tasukeru no ni te o kashiteくれる hito wa mizukatta? Maana, Ishikawa-sensei to Adachi Masako-dono ga ikite oide da. O futari tomo hito o otte irashiteru ga, gojuryoku kudasaru. Toshiyori no yumitori to yamome no bushi, sore de tariru no? Sugegasa-shu ni mo ai ni itta. Kashira wa furui najimi de atta zo. Ja... 人では十分に集まったんだ。お主はどうする？さあね。誰か手を貸してくれ。任せな。高にあって。話は後で。坂井様、打ち終わりました。ああ、ça tombe bien. T'as fait vite. Dis-moi tout. お待たせしてすみません。縄の先に鉄の鍵を仕込みました。 壁の棒りは谷渡りに役立つかと。丈夫なのか。手前で試しました。王様を鍵縄です。良いものだな。借りができた。いえ、とんでもない。俺は姉さんと家と鉄だけで満足なので。痛みいるぞ。ジン、どこにいる。龍蔵。 Attends, il faut que je m'habille correctement pour lui parler. C'est parce qu'il gueule comme un charretier, ce con. Ses vêtements de... Ses vêtements de clodo absolu. C'est pas un chapeau de paille normal. Parfait. Sagashima-tandazo.
仲間が猛虎に捕まっちまった。おじ上の救出が難しくなるな。ジン、手を打たないと仲間がやられちまう。おじごも囚われのままだぞ。場所は八立砦の近くだ。よし、分かった。策を考えてみよう。 Moi, je propose de se mettre devant les murs de la forteresse et de faire Sortez les Mongols, pédoncule. 手下は砦の近くだと言ったな。どこかわかるか? ああ、実は砦の中の檻だ。 砦は崖の上、いかにして助けるつもりだ? 戦える奴はまだ残ってる。近くの四つ地で待たせてんだ。足りると良いがな。行くぞ。 Les gars! テシタはなぜ捕まった？あの地図覚えてるか？補給路が記されておったな。飯はあったか？ああ、万兵付きだったけどな。なれど精鋭を連れておったのだろう。まんまと生け捕りにされちまった。逃げ延びたのは俺だけだ。生きておるとなぜわかる？昨夜あいつら歌ってたんだよ。うん。 猛虎が歌を許したとは意外だよな。上手だったのだろう。このまま浪人をやめてはどうだ。好きでやってるわけじゃねえ。刀比べで負けたからだよ。ああ、長尾家の刀比べ、それがどうかしたのか？覚えてるか。武家の連中が刀比べを見に来てたんだ。それなのにお前は本気で打ってきて腕が折れかけたぞ。 加減すれば誰もが気づいただろう。だからって本気で撃つか。負けるわけにはいかなかった。俺ごときにってことか。そうは言っておらん。生まれのいいお前と違って、俺はあの刀比べで腕前を見せてどこかの武家の老頭になろうと狙ってたんだ。俺のところに来れば話を通してやったものを。お前に頭を下げろって。嫌だね。俺は一人でどうにかしたかった。なぜ早く言わなかった。 Oh là 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 là, ça sent le duel fratricide d'ici la fin. Quel régal. Ça parle mal. Je récupère des fleurs. Faire des branches de bois. C'est bon, tu. Oula. Ok, allons-y. Bon, ils sont où tes Mongols? Parce que c'est loin, ça. Hein. Dire, on galope depuis une petite trotte là déjà et ah. Excellent. Hiro to Shinzo wa. Nigetai. Oh, modoran daro na. Aitsura. 逃げただと、俺の苦労が水の泡かよ。捕まった手下を救うなら、この数で十分。戦や病や飢えで死んだ奴はいても、逃げる奴など。弱いのだ、お前に非はない。他に逃げたい者は。 Oh là là. 4 pégus, on est 6. Eh ben allons-y, brave Jean. On est 6. 4 pégus, un ronin et un samouraï. Eh ben putain, on n'est pas rendus les enfants. On n'est pas rendus les fils. Ça va bien se passer, ああ、矢立砦。仲間はあそこに捕まってる。どうやって救い出す？どうやって策を出すのはお前の役だろう。うん。砦に入る道は一つだが、守りが固い。忍び込まねばならぬだろう。崖の見張りが手薄だ。崖を登り壁を越えよう。何？お前は猿か？
役立つ兵具がある。手下は任せろ。うまくいけば呪しを上げる。攻め入りの合図だ。猛虎を挟み撃ちってわけか。見ろ。やはり策があったな。チェ。J'avais un plan. Allez, ça. Jin, pas de tirecouille. Quand ça revient. Moi j'y vais, moi j'applique le plan. Mais d'accord, tu veux que je monte tout en haut de la... Tu veux que je te tienne la main? Oh, le babysitting! Ah gna gna, je suis pas samouraï, gna 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 gna. En même temps, si t'avais fait les tutoriels avant de participer au tournoi, t'aurais pas perdu. Oh. Nulos. Gake ni tsuzuku michi o sagasu. Noroshi ga agaru made kakurete ore. Oi, Jin! Shinu na yo. Mais non, je vais pas crever. Mourir, c'est pour les personnages non-joueurs, ça. C'est pas pour les protagonistes tels que moi. Alors, comment ça marche, le grappin? Ok. PDPP. Ouais, PDPP. Trop bien. うまくいった。しっ。お。Quand même, il a de bon élan. Voilà. これは使い手があるな。Je commence à aimer ce crochet. Mais moi, je l'ai aimé dès le début, hein. Le seul truc qu'on peut pas faire, c'est tuer des gens avec, ce qui est dommage. J'aime bien comme il se réceptionne comme une fleur sur le mur alors que normalement tu devrais te bouffer en mode bulle. Gros feu là-bas. C'est en quelle direction ça? Qu'il y a un si gros feu? C'est Komatsu qui crame comme ça ou autre chose? Il me semblait que j'avais libéré tous les villages dans cette direction là-bas. Par contre, là-bas, il y a un cerisier blanc sur la montagne. Pouah! Enfin. C'est Twitter qui brûle. Que je fasse deux fois à la suite. D'accord. Je pensais pas que ce serait réaliste de le faire deux fois à la suite. Mais après tout, le réalisme, il s'en fout. Il s'en contrefout. C'est ça, ouais. Ah bah non, il n'y a même pas besoin de s'accrocher deux fois en fait. C'est... Non, j'ai juste foiré mon saut, mais lamentablement. Ok, tout s'explique. Voilà. Aha. Ah si, j'avais raison. フフ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 フ
Ouais, je peux me balader de corde en corde. Ah, c'est confort de se balader de corde en corde. Je dois reconnaître. Voilà le chef, d'ailleurs. Là, il y a un autre Pégu avec des ressources. Comment je vais procéder? Quelle est la meilleure solution? Je peux utiliser les crochets, atterrir directement dans les fleurs, c'est très très bien, mais... Il a bougé au moment où c'était le pire. La nouvelle, c'est qu'ils me trouveront jamais. Oh, et puis une merde. Voilà. Alors, jamais il a voulu s'accrocher. Il s'est retourné vers l'ennemi le plus proche, en fait. Et du coup, comme j'étais retourné vers l'ennemi le plus proche, je n'avais pas le droit d'utiliser le grappin. Pourtant, j'ai mâché la touche, comme vous avez pu le voir. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On peut recommencer. Pouf, pouf. C'est pas là que je voulais faire, mais c'est pas grave. Tout va bien. Mais encore. Bon. Note à soi-même, il faut absolument. Mais accroche-toi. D'accord. Note à soi-même, il faut absolument regarder l'endroit où tu jettes le grappin. Mais genre plein. Mais là encore! Je vous jure, j'ai mâché R2. Je vous jure, je mâche. Pas de panique, on recommence. Là, je le regarde. Ah! Ça a marché la dernière fois. Est-ce que c'est parce que je suis pas équipé du crochet? Est-ce qu'il y a une astuce? Il y a un truc en fait? J'ai pas rêvé. Il faut être sur le toit. Mais ça avait marché très bien la première fois. Fais un double saut, Bob. D'accord, il faut mâcher le saut en fait. Il faut pas que tu surmontes la barrière. Il faut vraiment pour de vrai que tu sautes du truc. Voilà. Tu peux pas juste te contenter de passer un obstacle. Ok, je suis content d'avoir clarifié ce point parce que clairement, clairement c'était un problème. On va pas se gêner. C'est moins cher que gratuit et ça nous rend de la vie. C'est un micro poil le nombre quand même. Hop. Voilà qui règle le problème du. Voilà qui règle le problème du deuxième. Le troisième. Ah, je me fais avoir à chaque fois par ça. À chaque fois, putain de gros. Ça va pas finir. On te dit que c'est fini maintenant. C'est fini, j'ai dit. Ramenez-vous. Bon. Bah ça s'est mieux passé que prévu, mais c'est pas encore suffisant.
Vous êtes où? Vous êtes où? Alors oui, je sais, je peux ouvrir les cages, je peux faire des tas de choses. Mais c'est pas mon objectif là tout de suite. Mon objectif... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des écrits mongols. Mon objectif, c'est de trouver chacun de ces enfoirés, un par un. Voilà, c'est bien de ça que je parle. Merci. Ok. Je vais avoir deux fois. Ça c'est mort. Quand même. J'ai attaqué, putain. J'ai attaqué trois fois. J'attaque, ça marche pas. J'ai fait qu'attaquer 1000 fois. Bon. Relisons. Toutes les attaques de la posture du vent partent automatiquement les coups de lance. J'ai compris. Ce ne sont pas les attaques carrées qui sont communes à toutes les postures. Ce sont uniquement les attaques triangles. J'ai compris. J'ai compris. Ça y est. Allons-y. Bon ! C'est l'heure de la grosse run. Dans un endroit qui est un peu plus clair, histoire d'y voir bien. Des kunai, des bombes collantes, je vois ce qu'on peut faire. Allons-y. Déjà, ça c'est pour ouvrir la conversation. Ça c'est pour continuer la conversation. C'est vraiment pour être poli, hein. Yeah. C'est vraiment pour être poli, hein. Tac! Je mords! À nous deux! J'ai chargé la conviction juste au bout. Tout va bien. Il reste plus que toi. Oh, couvert de boue, couvert de sang, et j'ai survécu à une bombe collée sur mon cul en serrant l'anus. J'ai contracté le sphincter et c'est passé. Oh là 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 là. Il a fallu jouer ça à la grenade, c'est sûr. Parce qu'à un moment, quand t'as trop de trucs sur toi, tu t'arrives plus à gérer. Et j'ai pas eu l'occasion d'utiliser malheureusement la technique de utiliser le triangle pour parer les attaques de la lance. Mais la prochaine fois, je m'en servirai pour sûr. Et pour le coup, voilà. J'ai pu rétablir certaines choses. Notamment le fait que niquez-vous. Provision, du slip. Du tout. Et là, c'est les cages. Attends, c'est quoi ça? Des flèches, d'accord, très bien. Et là, c'est les cages, très bien.
On ouvre tout. Même si ça sert à rien. C'est pour l'humiliation. En plus, il y a des provisions dedans, donc je vais pas me plaindre. L'ours. J'espère que t'es prêt à t'attaquer. T'attaquer. Gros t'attaquer. D'accord. A chaque fois, hein. T'as le temps de lui mettre un coup, pas deux. C'est bon. L'ours qui est un danger public absolu, quand même. Chasse-le à la bombe. J'étais à deux doigts. J'étais à deux doigts de paniquer et lui jeter des grenades à la gueule au miné. Peau de prédateur, très bien. x4, hein, les ours, ça paye. Hein. 5 ours, c'est une amélioration de level 3. Hein. J'ai visité la deuxième yourte. Celle-ci, il me semble que j'ai visité. Celle-là. Je l'avais pas vu, très bien. Ok, donc ça on progresse. On avance. Ah non mais je vous jure hein, entre le grappin qui voulait pas les ennemis qui te bolossent et ces connards qui chantent. Ah bah tiens, tu tombes bien, bonjour. Voilà, alors on va tester la théorie. Oui. Il suffit de mâcher. Contre eux, il suffit de mâcher dorénavant. Ok. Ça marche. Triangle permet de parer toutes leurs attaques. Où ça qui m'a vu. Yo. Yorokonde, Kande, les Kondés. Putain. Me dis pas qu'il y en avait encore plus en haut et qu'il faut que je les attire maintenant. Là, venez. Voilà. Comment ça dort? Ah bah oui, non, mais il faut mourir pour de vrai, monsieur. Voilà. Slipper. Ok. Encore. Bonjour, bonjour. Quel nulos. Voilà. Mais... Shinzo Takakai. Oi. Oi. Oh. Oi. Allez-y les mecs, je vous regarde. Ben voilà. Ça s'est passé somme toute plutôt bien. Tu l'as. C'est bon ça. Y'a un méchant en haut. Ah ouais, y'a un méchant en haut. Forcément. Non mais... Il cassait. Voilà. Ah pardon.
Ouais non, fermez vos gueules, j'arrive. Alors, une alarme pour faire venir Ryuzo. Trop de poudre. Déclencher une alarme, excellent. Ah, y'en a encore plein! Slip! Corsé! Effectivement, ils sont nombreux. Alors, voyons voir, oui, d'abord. Très bien, bon combo. Voilà. Voilà, ça se passe bien. Oh oh Fou. Ça s'est bien passé. Le taux de pénétration a atteint son paroxysme. いつの会が来るか仲間と賭けをしてたんです。負けちまった。酒は持ってきたよな。一体どういうことだ。さっぱり意味がわからねえ。どうした。猛子はうまい飯をくれたってよ。それだけじゃねえ。 拷問もなしだ。そりゃ歌も許すはずだぜ。無事であったことを喜べ。だがどうしてあいつらに飯を食わせる。見返りを求めたのやもしれぬ。助かったよ。あいつらは俺の全てだ。 Je sens le drama. Bon. Eh ben, j'ai gagné le crochet de fer, mais ça veut pas pour autant dire que je suis confiant. L'ombre du samouraï, fais voir. Ah, et on peut aller sauver le seigneur Shimura. Grosse quête ça donc hein. Un truc qu'on gardera sans doute pour le prochain épisode. Eh parce que là c'est les quêtes finales. Par contre je peux charme de portée mineure. On pourrait faire la suite des quêtes de Mister MV ou la suite des quêtes de la vieille. Et j'avoue que la suite des quêtes de la vieille c'est un petit peu kino. Ça fait envie, ça fait envie, brave gens. Mais tout d'abord avant ça, le temple, le sanctuaire. Pouille pouille. Excellent. Hop. Hey, yep. Hop là. Voilà, je pouvais pas le faire avant. Mais je pouvais pas le faire avant parce que j'avais pas le matos pour le faire. Maintenant que je l'ai. On va s'en donner à cœur joie. Au passage, changeons d'armure. J'aime bien l'armure de clan de samouraï simple. Et voilà. Ouais, avec les grosses épaulettes c'est bien, mais sans les grosses épaulettes c'est bien. Sans les grosses épaulettes c'est bien aussi. Euh...
le bandeau de peur avec mon IQ foireux dessus. Ici Snake. Voilà. C'est complètement présent, il faut se l'avouer. Le katana de base va très très bien avec les couleurs de cette armure. Voilà. Très bien, il y a plein de ressources, ainsi que des fleurs. Tout ceci est somme toute très festif, mais... il n'y a pas d'autre endroit auquel je puisse m'attacher. Étrange, étrange, étrange. Merde alors! Ah ah! Un trou! J'arrive, maman! Je renais! Appelez-moi Jean-Eugène! Impeccable. Ouais, 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 ouais! Voilà, on y est, on passe. Je regarde, hein, bien sûr, hein, j'observe à quel point les paysages sont beaux, tout ceci. Qui va laisser des provisions ici? Putain. Écoute, on est des spermatozoïdes, mais je pense pas qu'on atteindra l'ovule comme ça. Perdu dans le trou du cul du monde. Vers le prochain site. Ah. Ok. Par là. Hop. C'est bon. Le jeu un petit peu janky. Eh ben putain. C'est joli la vue ici hein, quand même, hein. Ça déconne zéro. Hein. PDPP. PD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 
Joli, les petits sauts de caribou de la part de Kage. Là, il y a un pont là-bas. Beaucoup de fleurs, beaucoup de plantes. Des mongolos, les mongolos. Tac. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors je veux pas dire. Mais ces mongolos, ils ont rien compris. Qu'est-ce que j'ai récupéré ? Du cuir. Cool. Très bien. Et eux là-bas, ils ont rien vu, hein. Eux, ils se sont pas posés de questions. Pour eux, tout va bien. Dans le meilleur. Oh ! Des mongolos. Alors lui, par contre, il est un peu loin. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouh. Putain. Je m'améliore hein, quand il bouge pas. Bon, seulement quand il bouge pas par contre. Je peux pas faire une confrontation. Ah si, quand même. Venez vous battre. C'était le chef. Bon. Et ben voilà. Somme toute, ça c'est fait. Ils ont eu la gentillesse de venir à moi, vous remarquez, hein. En tout cas, c'était propre, hein. Ça, ce camp, je veux pas dire, mais il était extrêmement propre. Ils ont pas compris ce qu'il aurait été tombé sur le coin du cul. Tous leurs archers, capoute. Leur pégu dans la rue, capoute. Le chef, il m'a chargé en mode... Et il s'est pris un katana dans la gorge. Capoute. Tout le monde, capoute. C'est allé vite, hein. C'est allé vite. C'est allé vite. Projectile, blablabla. Pec pec. Récupère le fer, récupère les carillons, les ressources, la piétaille, les coffres. Voilà. On passe sous la yourte. Le plaisir de passer sous les yourtes, mon gars. Voilà, fais voir la map. Oh là 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 là. Ça libère des choses, ça libère des choses. Eh bien écoutez, braves gens, victoire totale, j'ai envie de dire. Victoire absolue, domination en long, en large et en diagonale. Merci infiniment. Ah, les papillons. Je suis sûr, ils m'attirent. Ouais, vas-y. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y. T'es un papillon, de toute façon. Ne résiste pas à l'envie de me guider vers ma perte. Ne nous mentons pas, tout ceci est extrêmement dangereux. Oh, le haïku!
Réflexion sur l'invasion. Une force implacable, là-haut en surplomb, avant la tempête. J'avoue que l'endroit est feng shui. La brume jamais ne se lève, submergeant tout alentour. Cheminant vers l'incertain. Chargeant vers la fin, la lumière fuyant. Une force intérieure. Taki no ito. Iwao ga kitaru koke goromo. Tada sue made mo yosen tozo suru. Le bandeau de l'invasion, une force implacable submergeant tout alentour, chargeant vers la fin. Oh ! Ah ! Stylé ! Je m'attendais à un truc vert fluo dégueulasse ! Mais non, c'est un bandeau rouge qui pue le style ! Eh ben écoutez, c'est parfait ! On peut s'arrêter là, je pense, fais voir. Avec l'armure brisée en plus, c'est bourrin. C'est bourrin. Tenue de Ronin, fais voir, tenue de Ronin colorée. En rouge. Oh là 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 là. Mur de tailladori, fais voir. Oh là 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 là. Il est parfait. Et là, mon gars, il est parfait. Eh bien, écoutez, merci. Ouah, les textures. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On se croirait dans Final Fantasy VII Remake. Dégueulasse.